بعيدا وتواصلت أشغال لقاء الحكومة والولاة بمداخلات عدد من الوزراء التي تركزت أساسا حول واقع قطاعاتهم والخطوات العملية في الرؤى والتطورات المستقبلية في مختلف البرامج المسطرة. نستمع. Notre s'inscrit dans le cadre global défini par le nouveau modèle de croissance économique adopté sous la haute autorité de son excellence Monsieur le Président de la République par le gouvernement qui représente une approche adaptée pour faire face au contexte actuel caractérisé au plan interne par la contraction de nos ressources financières consécutif à la baisse sensible et durable des cours des produits énergétiques et au plan externe par la persistance d'une croissance économique atone. Donc le bilan ce jour fait ressortir 6029 postes sont achevés en études, dont 4706 sont approuvés par les autorités locales sur un total de 6885. C'est peut-être une chance, dans la force à dire, بالنسبة للباس اللي مازال ما فاتوش أمام المجالس المنتخبة بالك هذا هو الوقت تاع مراجعتها في إطار توجيهات السيد الوزير الأول توجيهات الحكومة لتخصيص بعض الأراضي للاستثمارات خارج الاستثمارات العمومية. Un autre aspect majeur, celui lié au déploiement de l'investissement dans les territoires et l'infléchissement de la tendance de concentration de l'investissement sur les régions nord ou sur la seule bande maritime de notre territoire. Force est de constater avec satisfaction que les régions du Haut Plateau et du Sud enregistrent une dynamique positive, bien que devant encore être accélérée avec un nombre de projets déclarés passant respectivement de 310 à 742 durant la même période considérée. Enfin, et en application des instructions de son Excellence, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dicté le 27 janvier 2015, lors d'un conseil ministériel restreint consacré au développement des wilayas du Haut Plateau et du Sud, ces régions sont aujourd'hui, et je parle sous le contrôle des walis qui y officient, des chantiers ouverts sur l'investissement industriel et minier. Je peux multiplier les exemples comme ceux du ciment à Biskra, Béchar, Adrar et prochainement un broyeur de clinker à Ilizi. Et le Sud représentera plus de 30% de la production du ciment de notre pays. وبالنسبة لنا في وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية فإن الرهان الذي هو أمامنا اليوم يكمن في كيفية تشجيع الاستثمار في هذا القطاع علما أن هناك تجاوبا كبيرا من قبل رجال الأعمال الذين عبروا عن نيتهم في ذلك. إنها فرصة أتيحت لنا للتذكير بالنتائج المحققة والمكتسبة من تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية منذ سنة 2002 تحت إشراف فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة برنامج مدعم ومؤطر بوسائل بشرية ومالية معتبرة. وكما تعلمون اجتازت الجزائر مراحل كبرى في تعزيز تنمية القطاع الفلاحي أصبحت نتائجه وأثاره ظاهرة للعيان في مجال تحسين العرض الوطني من المنتوجات الغذائية وتعزيز قواعد أمننا الغذائي وتحسين ظروف الحياة للسكان في الأرياف. Pour souligner à votre attention et à travers vous à tout le peuple algérien les efforts et la stratégie de l'État maintes fois rappelée par son Excellence Monsieur le Président de la République, mettons le citoyen au cœur du processus du développement national. Aussi, et s'agissant d'administration publique, l'État s'est attelé à garantir les conditions indispensables pour une administration plus moderne, plus efficace, plus accessible et en bref, plus à l'écoute. Et un service public qui assure le confort de nos citoyens avec des prestations simplifiées et surtout de qualité. Ces efforts sont consacrés au quotidien par les actions du gouvernement qui accorde une attention particulière à la simplification et à la modernisation de la gouvernance administrative et institutionnelle, l'objectif retenu étant de poursuivre et de finaliser les réformes engagées
en vue de renforcer l'efficacité des institutions de l'État à travers son instrument majeur qui est l'administration publique.